Je suis de mon nom d'écrivain J.K. Danard. Je suis l'auteur d'un roman qui s'appelle L'Avinier. Je suis originaire d'Angers, une ville que je n'ai jamais quittée. Je suis marié et je suis papa de trois grands-enfants. L'Avinier est un roman historique, bâti à partir des légendes qui ont entouré la vie des premiers saints. Il narre la vie de Sarah, celle qui deviendra plus tard la patronne des gitans, et que beaucoup considèrent d'ailleurs comme étant la Vierge Noire. L'histoire de Sarah croise le destin de personnages mythiques et populaires comme Marie-Madeleine, Joseph d'Arimathie, Jacques le Majeur, et bien d'autres en fait. L'astuce était de pouvoir rassembler en une histoire commune tous les mythes et les légendes qu'on leur associe. La vignée est en fait un jeu de mots entre la lignée, celle de Jésus, et la vigne, qui pour qu'elle aboutisse aux fruits sacrés et juteux, elle doit être entretenue, greffée, taillée, tutorée. Écrire des chansons est un exercice difficile parce qu'il nécessite de respecter le rythme. Au-delà des rimes, il faut coïncider avec le texte. J'ai longtemps été frustré de ce manque de liberté. Alors quand j'ai cessé de faire de la musique, quand j'ai cessé d'écrire des chansons, je me suis naturellement tourné vers l'écriture d'un roman. Je suis un passionné d'histoire et je trouvais exaltant de pouvoir refaire vivre des personnages plus ou moins célèbres. L'univers de l'Avinier prend sa source effectivement au début de notre ère, pendant l'occupation romaine de la Gaule. La conquête du vaste empire romain a permis d'importer beaucoup de rites et de croyances étrangères qui se sont mélangées aux religions locales. En Palestine notamment, un schisme important de la religion juive venait juste d'avoir lieu, donnant naissance au christianisme. On prête alors un exil forcé à des disciples de Jésus qui se seraient donc échoués sur les côtes de la Gaule. Deux religions étrangères se faisaient concurrence à l'époque, le culte de Mithra, la Perse, et celle des chrétiens. Et les Romains, ils durent employer des grands moyens pour conserver coûte que coûte leur cohésion sociale en persécutant à grande échelle. On a beaucoup écrit à propos de ce personnage qui est aujourd'hui la sainte patronne des gitans. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'elle était d'origine égyptienne. Ça, tout le monde est sûr là-dessus. Et qu'elle était noire. Ce qui me fait dire à moi qu'elle était nubienne, comme la reine de Saba. Strabon, qui est un géographe grec, fait mention d'un petit temple païen à l'embouchure du Petit Rhum. Il prétend qu'il est dédié à Ra, un dieu égyptien. Le regroupement est donc facile. Il est supposé qu'il y avait à cet endroit-là une colonie égyptienne. On peut dès lors très bien imaginer que Sarah était déjà là lorsque les disciples exilés se sont échoués en Camargue. Je me suis passionné par l'épisode cathare de notre histoire et puis j'ai découvert fortuitement le mystère de Rennes-le-Château. Un simple curé de campagne qui est devenu très très riche du jour au lendemain. Ce qui est sûr, c'est que ce modeste curé de campagne, l'abbé Saunière, n'est pas devenu riche grâce à la découverte d'un trésor. Il aurait plus précisément découvert quelque chose de très très dérangeant, au point que certaines institutions aient payé très cher son silence. Certains parlent de tombe secrète, d'autres précisément de la tombe de Joseph d'Arimathie, celui qui aurait recueilli le sang du Christ. Donc c'est une enquête passionnante qui m'a amené tout simplement au Sainte-Marie-de-la-Mer, où une légende tenace y a fait débarquer des proches disciples de Jésus, Marie-Madeleine, Jacobée, Salomé et Joseph d'Arimathie. Sarah, elle, permettait de faire le lien entre eux et d'être naturellement le personnage central. L'Avinier est tout d'abord un roman qui s'adresse à tous. Néanmoins, les initiés, ce que les légendes et les mystères passionnent, y trouveront un intérêt particulier. Comme Dan Brown, et bien d'autres auteurs d'ailleurs, j'y fais référence à la lignée supposée de Jésus. Récemment, un écrit du 4e siècle, authentifié par des scientifiques et déposé au Vatican, a confirmé que Jésus avait une épouse. Mais au-delà d'une lignée secrète, on apprend par la bouche des personnages du roman le mystère de la création de l'humanité. Parmi les milliards d'êtres humains qui peuplent notre planète aujourd'hui, il y a peut-être quelque part une lignée secrète censée se développer et reproduire celui qui l'a créée, c'est-à-dire son créateur. Le message est là, il nous interroge sur le but de notre évolution. Le roman, les questions sont là, et les réponses aussi. Il explique comment et pourquoi un être a des années-lumière d'ici et puis fécondé notre Terre et donné naissance
à notre humanité. Et puis cet être n'est-il pas simplement celui que les hommes ont coutume d'appeler Dieu? J'ai terminé mon deuxième roman, il est en phase de correction. J'espère qu'Edilive puisse à nouveau l'éditer. Mais là, on est dans un tout autre univers, puisque l'action se passe lors de la conquête du Pérou par les Espagnols. Un conquistador bascule du côté des Incas et en devient le grand devin blanc, titre du livre, grâce à la découverte d'un crâne de cristal au pouvoir magique. Le livre marche bien, les retombées sont plutôt positives. Je souhaite toucher le cœur de tous les lecteurs et que vous deveniez vous-même les ambassadeurs à votre tour de ce roman. Comme moi, quand je suis lecteur, j'aime bien être un petit peu bousculé, contrairement à un polar où à la fin on connaît l'assassin. Un roman historique athématique amène certainement plus de questions qu'il n'en répond. Ça permet au livre de continuer à vivre même au-delà de sa lecture.